lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors, se désilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors, le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant, et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout. » Ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume, promis par lui à ceux qui l'auront aimé ? Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement.
Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus celui-ci le proclamait. Extrêmement frappé, il disait : Il a bien fait toute chose, il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Ephphatha, ouvre-toi. Frères et sœurs, quelle parole magnifique de Jésus dans l'Évangile. Et voici qu'un homme sourd et muet, limité dans ses capacités de relation, s'ouvre à une vie nouvelle. Quelle libération pour lui. Ephphatha, ouvre-toi. Dans notre monde aujourd'hui, comme nous avons besoin, frères et sœurs, d'entendre ces mots de Jésus. Trop de difficultés et d'empêchements à la relation nous handicapent. Nous avons tendance à nous replier sur nos petites histoires, sur nos malheurs ou notre bonheur. Nous nous refermons à la vie des autres, aux appels de Dieu. Nous manquons alors d'oxygène, nous peinons à respirer. Ephphatha, ouvre-toi. Dans l'Évangile, vous l'avez noté, l'homme qu'on amène à Jésus, nous dit Marc, était un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Et de fait, les spécialistes nous disent que le plus souvent, c'est à cause de leur surdité que des personnes deviennent incapables de parler. C'est la surdité qui provoque leur mutisme, car l'oreille et la langue sont liées. Bien avant qu'on ne le parle, le langage est d'abord écouté. Nous naissons dans un univers de paroles. Dès le sein de notre mère, avant même de pouvoir articuler quoi que ce soit, nous recevons des paroles, à commencer par celles de notre mère. Et c'est parce que cela parle avant nous que nous désirons parler à notre tour. Tout est question d'abord de réception. L'écoute précède la parole. Et dans le récit de l'Évangile, Jésus alors guérit l'oreille avant la langue. Marc raconte, Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. La délivrance de la langue suit celle de l'oreille. Ses oreilles s'ouvrirent, dit encore Marc, sa langue se délia et il parlait correctement. Parce que le sourd entend, le muet peut enfin parler. Guérir l'oreille avant de guérir la langue. Frères et sœurs, je me dis que nos difficultés de communication aujourd'hui, les obstacles au dialogue, la rudesse de nos relations, le manque de paroles justes et bienfaisantes, si fréquents dans les familles, dans la société et même dans l'Église, pourraient bien trouver leur cause dans la faiblesse de nos oreilles. Nos oreilles sont malades et nous ne savons plus parler. J'ai le triste sentiment qu'aujourd'hui, l'écoute nous ferait de plus en plus défaut. Et c'est pourquoi nous échouons trop souvent dans les relations. Cela est vrai de notre relation avec les autres. Cela est vrai de notre relation avec la création tout entière. Cela est vrai de notre relation avec Dieu. Et comme nous avons alors besoin d'entendre ces mots, Ephphatha, l'Ephphatha de Jésus. Le disciple du Christ, s'il veut bien parler la langue de l'Évangile, doit d'abord savoir l'écouter. S'il ne sait pas écouter, comment pourrait-il parler? Dans l'Ancien Testament, l'écoute est le premier mot de la loi révélée à Moïse sur le mont Sinaï. Les 10 commandements commencent par ces mots, « Shema Israël, écoute Israël ». Le Seigneur Dieu implore l'écoute, il exhorte son peuple à l'écouter pour qu'il devienne capable de le recevoir, de recevoir sa loi et l'annoncer. Écoute, le mot revient si souvent encore dans les évangiles. Je pense par exemple à cette déclaration de Jésus dans l'évangile de Jean.
celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et si vous n'écoutez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Et Saint Jacques insiste lui aussi dans la lettre que nous avons entendue aux chrétiens de Jérusalem, « Écoutez donc, mes frères bien-aimés. » Frères et sœurs, le Seigneur nous exhorte à progresser dans l'écoute de sa parole. Pour vivre notre vocation baptismale et annoncer l'évangile à nos frères et sœurs, nous devons d'abord nous mettre dans l'attitude de celui qui écoute. Je garde personnellement en mémoire le témoignage d'un vieux moine que j'aimais rencontrer de temps en temps, j'étais très jeune, qui après 40 années de vie contemplative me partageait qu'enfin il lui devenait peut-être possible de parler de Dieu. Il avait passé sa vie à écouter Dieu avant d'oser parler de Dieu. Je me méfie souvent des langues trop pendues, du besoin d'enseigner les autres alors qu'on n'a pas écouté grand-chose de la vie. J'ai aussi quelques réticences à ces discours surabondants au sujet de Dieu, alors même que l'écoute du Seigneur impose tant de pudeur et d'humilité. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans l'évangile de ce jour encore, si vous y avez prêté attention. Cela qui nous étonne aussi peut-être, car Jésus vient de guérir l'homme de sa surdité, de son mutisme, et aussitôt, il ordonne à tous de se taire. L'homme vient de recevoir le don de parler et il doit faire silence. Si Jésus impose le silence aux foules au commencement de l'évangile, c'est que le temps de l'écoute n'est pas encore suffisant. Avant de bien parler du Christ, les foules ont encore à entendre. Et Jésus sait bien qu'à ce moment-là, ce qu'on va dire de lui risque d'être trop rapide, réducteur, en se précipitant dans le discours. Les contemporains de Jésus risquent de mal parler de lui. Ils risquent de parler de lui comme d'un Messie guérisseur, tout-puissant, sans voir sa part de souffrance et de fragilité. Les foules ont encore beaucoup à écouter avant de parler. Jésus leur demande donc de faire silence. Mais Marc raconte que plus Jésus leur demande, plus il parle. Guérir l'oreille avant la langue. Apprendre à écouter pour mieux parler. La langue pense si souvent se passer de l'oreille. Et nous avons du chemin à faire, frères et sœurs, pour progresser dans l'écoute avant de parler. L'écoute est la clé du témoignage évangélique. Elle est la clé de l'évangélisation. L'écoute est une condition nécessaire pour que l'évangile soit reçu et annoncé. Si nous ne recevons pas bien les mots de Dieu en nous, et si nous n'entendons pas profondément les questionnements, les soifs et les aspirations de nos contemporains, comment pourrions-nous vivre en témoins de l'évangile? Cette exigence concerne notre relation à Dieu dans la prière. Le Christ nous invite à entrer dans une prière moins bavarde et plus attentive. La prière de l'Évangile n'est pas un simple rabâchage de mots, comme les païens, dit Jésus. Elle est avant tout l'écoute silencieuse de Dieu. Écoutez avant de parler. Cela concerne aussi notre manière d'être en relation avec ceux et celles que nous rencontrons en famille, au travail, dans les associations ou en église. En ces temps de rentrée, alors que nous reprenons nos activités, l'Évangile nous appelle à devenir des écoutants. Et ce n'est pas si simple, car il arrive souvent que nous pensons sincèrement écouter, alors que nous n'écoutons pas vraiment. Écouter est tellement plus difficile qu'on se l'imagine a priori. Car écouter, c'est faire place et accueillir l'autre en soi. C'est se faire hospitalier à son être. Cela concerne notre relation à Dieu, à nos frères et sœurs, et encore, notre façon d'écouter tous les vivants. Car je crois, frères et sœurs, que la crise écologique que nous subissons s'origine, elle aussi, pour une part, dans une insuffisante écoute de la création. Trop centrés et préoccupés de nous-mêmes, nous avons négligé l'écoute de la nature et celle-ci s'en trouve profondément blessée. Frères et sœurs, l'effata de Jésus nous appelle à cette conversion. Accueillir la parole agissante de Jésus en nous, pour mieux entendre les appels de Dieu, pour mieux écouter la parole de nos contemporains
et la voix de la création et leur répondre en témoin de l'Évangile. Sur ce chemin de la conversion dans l'écoute, nous croisons ce matin, en ce jour de si belle solennité, la personne de Marie. Marie a su écouter du profond de son être. Marie est femme de l'écoute. L'évangéliste Saint Luc nous la présente toute disponible à la présence du Seigneur quand l'archange Gabriel vient la visiter, répondant aussitôt à son appel : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Et à plusieurs reprises, Luc décrit la Vierge Marie qui désire de tout son cœur recevoir au mieux les messages de Dieu, cherchant à les décrypter dans les événements de sa vie. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, le dit par deux fois Luc. L'Évangile nous montre aussi Marie toujours sensible à la présence de ses frères et sœurs, dans l'écoute de leurs besoins. N'est-elle pas la première à Cana qui voit le manque de vin pour la noce et alerte Jésus ? Marie se tient dans l'écoute de la parole de Jésus. Elle se laisse étonner, interroger par le mystère de son Fils, qu'elle va suivre malgré l'épreuve jusqu'au pied de la croix. Marie qui tient bon aussi dans l'espérance, heureuse d'accueillir le ressuscité quand il apparaît au milieu de ses disciples. Marie qui participe alors à la prière du petit groupe de disciples qui devient l'Église, qui reçoit en son sein la plénitude du don de l'Esprit du Père et du Fils. Frères et sœurs, en suivant le chemin de Marie dans les évangiles, nous nous rendons compte combien Marie est demeurée discrète. Dans les évangiles, Marie écoute bien plus qu'elle ne parle. Et c'est pourquoi les mots qu'elle transmet aux hommes et à Dieu sont si simples et denses, remplis de tant de sagesse. Chers frères et sœurs, pèlerins du Saint-Cordon de Valenciennes, depuis des siècles, et c'est si impressionnant, les chrétiens témoignent fidèlement en ce lieu de leur confiance en Marie. Ils manifestent leur foi en la Sainte Vierge, qui depuis le ciel de Dieu, de son cordon protecteur, est attentive à notre humanité, se réjouissant de sa beauté et de ses joies, s'attristant de ses peines et de son péché, l'appelant à la conversion. Et c'est avec la même ferveur et la même confiance qu'aujourd'hui, selon la belle et très ancienne tradition, nous porterons en procession la lourde statue de Notre-Dame. Nous la porterons en nous rappelant que c'est bien plus elle qui nous porte. Dans sa tendresse et son écoute, Notre-Dame nous porte avec elle et nous porte à Jésus, son Fils. Frères et sœurs, présentons donc lui humblement toutes les joies et les douleurs de notre monde. Remettons entre ses mains dans notre prière toutes les maladresses de communication, les refus d'empathie, les ignorances des uns pour les autres, les fermetures sur nous-mêmes, les oublis de Dieu et de nos frères qui engendrent trop de drames ici-bas. Et que Marie, Notre-Dame du Saint-Cordon, nous donne d'écouter comme elle la parole de Jésus. Qu'elle nous aide à accueillir l'effata de son Fils, qui nous ouvre à l'amour libérateur et sauveur de Dieu et à la charité pour tous. Amen.